Et bonjour à tous et bienvenue pour du Feed the Turtle en compagnie d'Epéphote, le petit bonhomme qui se trouve à ma place. Précédemment, je vous avais fait une petite visite globale de la maison, enfin plutôt de la grande baraque enterrée dans les entrailles de la montagne. Cependant, juste après avoir installé un beacon avec régénération en résistance, au cas où, hein, vraiment au cas où, je vais vous faire une nouvelle petite présentation, sauf que on va parcourir un petit peu de monde et pourquoi pas faire des crafts un petit peu plus compliqués. Notamment, j'ai quelques crafts visuels que je pourrais faire puisque j'en aurai besoin. Par ailleurs, j'ai refait deux ultimate panneaux solaires que j'ai dû agrandir un petit peu mon territoire ici. Voilà. On les voit en bas, il y en a quatre. Avec 5 MFSU pour alimenter le transfo modular, le modular transfo, et ainsi de suite. Bon. Ici, truc d'arbre, ça fonctionne toujours aussi bien. Normalement, ils sont à pleine puissance. Ouais, c'est ça. Ils sont à pleine puissance, puisque en bas, le recrocheur, il tourne depuis plus de 2 heures non-stop. Du coup, il lui faut de l'énergie. Par ailleurs, je suis revenu du Dance Ore que nous avons fait, qu'on a refait, puisqu'on a refait un Dance Ore stable. Stable, et maintenant, c'est pas de l'océan avec du slug, mais c'est plutôt de la terre ferme, directement. Là, voilà. Notamment, est-ce qu'il y a un creeper dans le coin? Ok, si tu veux. Pourrait y avoir un creeper ici. Ou l'enterrer, je sais pas. Ouhou. Moi, je vais juste récolter ma lignée de diamants, hein. Parce que j'ai remarqué que j'ai plus de diamants si je le fais moi-même à la fortune. J'en avais 40, j'ai posé 42 minerais. Donc du coup, je vais voir quel est mon ratio à la fin, sachant que au maximum on peut en obtenir que 4. Par minerai. Sans ça, par contre. J'en avais 44. 64 plus 28, c'est égal à 92. Moins 44, j'en ai gagné 48. C'est bien, c'est correct. C'est vraiment correct. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer pas à l'overclocker, je le ferai plus tard ultérieurement, puisqu'il me faut des salles que je dois remplir d'eau, d'entourer de teint, de circuit, machin, c'est pour augmenter mon Universal Macerator. J'ai remarqué que l'Universal Macerator, donc c'est Greg Tech avancé, Greg Tech add-on, c'est que si le minerai en question peut pas être macéré par le mode classique, il va voir sur Greg Tech si possible de le mettre en poudre. S'il n'est pas possible, il va faire un autre mode. C'est ça qui est cool. Ça veut dire qu'on peut tout macérer là-dedans et le fera tout. Ça, c'est cool. Pour une fois, c'est correct. Par contre, le creeper, là, il me dérange un peu. Il est où, lui? Oh. Oh, à la recherche du creeper perdu. Creeper, où es-tu? Je viens de faire ta fête parce que ça fait plusieurs moments que tu commences à me saouler. Puis c'est con, les creepers on les entend pas en fait. Mais... Ok. Bonjour. Service de nettoyage. Peut-être que j'ai pas fini d'éclairer toutes les cavernes d'ailleurs. Ouais, ça va spawner là. Là non, c'est éclairé, je vais quand même éclairer là-haut. Là-haut non.
Bah, il a pu spawner à un endroit précis. Bon, c'est pas grave. Bon, moi, j'aurais fait un petit peu mon minage. D'accord, cool. C'est bien le recrocheur, on peut l'entendre de super loin. Y'a aucun souci pour ça. Allez! Voilà. Hop, 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 et hop. Bon, alors. Oh, excusez-moi pour vos arrêts. Donc l'overlocker, on le fera plus tard, sauf que moi, je veux faire mon AESU. Je pense que je pourrais le faire, l'AESU. Ah... Non. Non, non, non. Le craft, il a encore changé. Bah, c'est super. Parce qu'au début, avant la VSU... Ah, une VSU, c'est ça. Donc, du coup, une IDSU, c'est combien? Une IDSU, ça sort du 8192, ça stocke, je ne sais pas, il y avait combien de zéros? 3, 6, 9, 1 milliard. Ok. Ça stocke... 3600 millions. Ok, très bien. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut le coller à l'IDSU maintenant. Avant, on pouvait pas, il fallait mettre 4 transfos pour pouvoir alimenter une seule AESU. Maintenant, on peut. Et directement, là, du 1192. Qui peut recevoir et envoyer jusqu'à 8192. C'est ajustable, ça c'est cool. Ça peut être très bien pour certaines machines, on lui envoie que du 32 et voilà. En plus c'est par paquet, Maxu par paquet, ouais, c'est ça. Donc on peut alimenter toutes les machines en 32 et il y aura du bon jus, je crois. Alors au début c'était ça, des Lapotronic Energy Orb qui se faisaient avec des Lapotron Iridium Plate. Sauf que maintenant c'est des Energy Flow Circuit x6. Un Gregtech Computer qui est assez chiant à faire, faut l'admettre. Et maintenant, c'est des Highly Advanced Machine Block qui se fait avec du chrome, du titanium et du steel. Voilà. Ce lot, il est un peu chiant à faire. Voilà, ça fait ce bloc-là, et ce bloc-là, on peut faire beaucoup de choses, notamment dans le fusion reactor, sauf que le fusion, je compte le faire, mais pas maintenant, vu un petit peu son prix. Les data orbs, bah, c'est normal. Data orb, c'est data circuit control plus data storage. Ça se fait avec ça. Et ça se fait avec ça. What? D'accord, plate cutting machine. Wow. Oh, t'es pas sérieux? Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que ça peut me saouler, ça. Du steel, d'accord, des steel rod, des steel plate et le... La... Oh putain... Ok, je vais m'amuser. Bon, alors, du steel. Puis c'est des émeraudes, quoi. Ça marche à quoi, 32? Ouais, bah si tu veux, je vais t'en faire, mais ça m'arrange pas trop. Alors, style. Parce que j'ai du style, lol. On va faire les 8 là. On va faire les 8 là aussi. On va prendre le petit truc qui va bien pour faire des rods, c'est-à-dire le fil. Voilà, je vais m'en refaire un pour être sûr. Là. Je prends ceci, je le mets là. Donc ça peut donner des nuggets, sauf si on met le tournevis au-dessus, ça donne des bâtons. Des petits bâtons là. Ça c'est cool. Je vais prendre la petite wrench. Donc ça je remets dans le circuit. Je prends ça. Je remets de là, de là, de là, de là. Et je contourne là. Ok, ça marche pas. Voilà. Steel gear. Ok.
Ensuite, il nous faut la Steel Machine Pool. Alors, ça par contre, il est en craft auto. Donc du coup, j'ai juste à lui faire tac, tac, et boum, il m'en a fait une. Ça, c'est génial. Tac. Et comme ça, j'ai la table de craft également. Ensuite, je peux lui demander ceci, donc... Ok, ça fait mal au train. Oh la vache, mais ça... Là. Tiens, man. 1, 2, 3, 4. Oui, c'était ça que je voulais faire. Alors, c'est du diamant et c'est du... C'est du stainless steel. Est-ce que j'en ai encore? Est-ce que j'en ai encore? J'espère que oui. C'est tellement chiant à faire. Alors, on va dire que non. Bon. Bon. Oui, la poudre. Ok, alors la poudre, c'est ça. C'est du nickel, du manganèse. Oh non, t'es pas sérieux. Iron. Hein, tout ça, c'est de l'iron, du nickel, du manganèse, du chrome. Le chrome, je sais que j'en ai beaucoup. Hop. Le du marbre, non. Manganèse, j'en ai plus. Toupie, je sais pas comment on en fait. Iron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Du nickel, parce que c'est nickel. Lol. On ferme la série. Ensuite, que je retrouve le craft. Ouais, c'est ça, ça. Et du manganèse. D'accord. Manganèse, voilà. Ça, c'est comment? C'est du Dirty Peel Manganèse Dust. LOL. J'aurais pas pensé que c'était ça. C'est... Non. C'est... Ok. Ok. Ça va? Vous avez pas plus compliqué des fois? Non, je sais pas. C'est pas sérieux. Tungsten. Eh ben, on va faire ça. Allez, 22. Tungsten. Voilà. Je serai à peu près sûr d'en avoir. J'en aurai 11 des poudres. Il me faut des sels. Là, j'en ai 7. Mais, justement, justement, ça se faisait dans l'industrial grinder. Et ça, il s'avère que j'ai déjà l'industrial grinder. Ça se trouve ici. Sous réseau, bien sûr. Hop. Alors, on peut mettre du mercury cell, sauf que, justement, je ne veux pas le mercury cell du fait que j'en ai pas en stock. Mais là, il me fait du manganèse. Small, pile, ok, mais c'est vraiment... Non, le truc de base, c'est du small. Mais, au moins, j'en ai. Ça, au moins, j'en ai. Et, okay. J'en ai 5, j'en attends encore, hein, mais... 6, là. C'est pour le faire en craft auto après. Hein. Ça, c'est pour faire des bouteilles d'encre automatique de miscrap. C'est Turtle qui a créé le programme et c'est super génial. Bon, maintenant on va faire manganèse. Voilà. Mais ça, j'attends le 8ème. Voilà, c'est bon. Hop. Ici. Hop là. Alors, je sais que c'est là. J'ai oublié un truc. Faut que je fasse pulvériser. Ça va plus vite que le macérateur. Hein. Bon, sérieux. Bon, ok, c'est du Furious. Mais il l'a pas rendu.
Ah oui, le jar Toto. Le Furious, quand on le met dans la main, ça redevient du nickel. Mais on peut l'avoir en sous forme de nickel dust et pas obligatoirement le remettre en lingot directement. Ça, c'est du Furious. Faudrait que j'en fasse justement. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais juste lui dire de. Pardonnez-moi. Excusez-moi, il y a eu un petit coup de téléphone. Bon. Donc je disais. Juste ça, je vais juste ça, comme ça je vais pouvoir le faire pulvériser d'un autre pulvériseur qui me permettra justement de... Voilà. Ça m'en fait deux à chaque fois, ça c'est cool. Du coup, je cherchais Furious. Ouais bah c'est bon, j'en ai 28. Donc là je l'ai dans la main, je vais juste attendre un petit peu qu'il se mette en nickel. Voilà, hop, il est nickel. Tac. Du chrome. Et du fer, voilà. Ça me fait ceci, que je encode, naturellement, pour pouvoir pas le refaire. Je le mets dans le truc, comme ça il l'encrapte tout. Par exemple, si je mets manganèse, nickel, chrome, fer, et je tape oui, voilà. J'en demande juste un, va me crafter les 9, puisque ça se crafte par 9. Voilà. La plate cutting, du coup. Plate. Pas plate. Plate cutting. Alors, on en était là. Il nous faut ceci. Pour faire ceci, il faut que je la fasse cuire. Et pour que je la fasse cuire, j'ai deux façons. Soit, il faut que je consomme 660 000 EU pour pouvoir le mettre en lingot. Donc 9 mini-poudres en lingot. Sinon le lingot en la poudre en lingot, soit je la fais avec du pyroton dust dans un induction smelter. L'induction smelter, sachant que je l'ai déjà et que j'ai beaucoup de RF, du coup je peux lui en demander. Donc du coup je lui demande la pyrite. Je vais en crafter 10 de plus. Voilà. Je me mets dans l'induction smelter. J'avais pas terminé quoi. Tac et tac. Voilà, ça va me consommer 8000 RF. Et ces 8000 RF, justement, une fois que c'est fait, je suis content. Mais juste le téléphone en silencieux pour éviter d'être appelé ultérieurement. Ça fait déjà combien de temps? Ça fait 18 minutes. Ok. Ça va, t'as un peu juste de vouloir tout faire. Donc je pense que à partir de vers les 25 minutes, je vais couper. Et vous aurez la suite dans le prochain épisode. Hop, je le rebalance là-dedans et j'en reprends. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'il y aura le même compte la prochaine fois. Voilà, j'ai les 8 là. Les 8 là, je vais les mettre en plate. On va faire là, 4 là, 4 là. Comme ça, c'est encore plus vite. On fout 1. Deux. Ok. Je vais juste lui dire qu'il va les remettre tout de suite. Ça, je vais le remettre là, j'en ai pas besoin. Tac. Non, ça. Voilà. J'en ai 8. M'en faut que 4, hein. Il m'en faut que 4. Voilà. Pff, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cela? Ouais, Crack Harvester ou... Ah ouais, c'est juste pour le bois. Ouais, bon, on s'en fout, en fait. Bon, alors du coup. Hop. Hop. Voilà. Ensuite. Voilà, ça me fait les 4 là. Ok.
Ça, faut que je le descende, que je le mette là, que je puisse le remettre là-dedans. Me faut un circuit avancé. Ça tombe bien, j'en ai déjà 3. Et encore du steel. J'en aurais bouffé du steel finalement. Tac, tac, et tac. Papam ! La plate cutting machine. Je pense que je vais la foutre. Plate. Là j'ai une autre plate. Assembly machin. Ouais, bah j'ai pas de choix en fait. Paf. Je suis un peu obligé de la mettre là. Oula, ça a complètement changé. Oh! D'accord, ça sert de combi type ça. Bah en même temps, c'est du bois, c'est normal, mais. Oh! Oh, good! Ah oh, bah ça va m'éviter des crafts absolus. Tiens, ça va être cool. Bon, alors, étant ceci étant fait. Je suis pas très en forme, donc, mais je fais quand même des vidéos histoire que vous ayez du contenu. Du bon contenu de PFORT. Bonjour! Alors, nous étions en train de faire quoi? Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est ça. La ESU. La ESU. Voilà, le petit truc qui me casse bien les bonbons. Recta computer, data control qui se fait ceci, data storage qui se fait des emerald plates, ou des olivine plates. Moi j'ai l'émeraude, autant le faire. Donc c'est un bloc d'émeraude que tu mets en plate. Alors, émeraude. Je vais en faire 27. Non, c'est l'autre, voilà. Compresseur. Hop. L'automatique compresseur, bon, c'est un peu long. Il y a, avec Industrial Craft 2, je ne peux pas faire les compresseurs avancés. C'est pour ça que ça m'embête légèrement. Bon, évidemment, je pourrais overclocker toutes les machines, sauf que il leur faudrait une MFE en dessous pour chacune. Je sais pas ce qu'il faut pour ça. Putain, c'est fun, même. Youhou ! Emerald Plate ! Hop, je fais U directement dessus, comme ça je peux lui dire ça fait quoi. Alors maintenant, ce qui est bien, fort bien, c'est vu que j'ai déjà des plates. Ah bah tiens, je vais lui donner le craft auto. Et bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un seul. Voilà. Ici. 9 émeraudes est égal à un bloc. Compression. Voilà. 9 plates plus un circuit avancé. Là, il va pas vous le dire le craft puisqu'il le connaît pas lui-même. Moi, je cherche l'assembly machine, voilà. Donc ça, plus ça. Ok, il m'en bouffe que 8. Ok. Il m'en bouffe 8, donc du coup, il faut que l'autre côté, je lui en dise que ça en fait que 8. Je refoutre un compresseur ici. Et je vais mettre ceci là. Alors, je pense que ça va être très long. Très long pour le... ceci. C'est quoi? Ah ouais, 640 secondes. Wow. Ah non, c'est pas le bon encore. 320 secondes. Mais oui. Bon. Bah, comme ça va faire plus de 5 minutes, je vous reprendrai dans le prochain épisode. Donc sur ce, messieurs, dames, merci d'avoir suivi l'épisode d'EPFOR sur FTT, Feed the Turtle,
N'oubliez pas le petit pouce bleu en dessous, puisque c'est plus pouce vert. Merci Google+. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine pour la suite de l'épisode. Ciao tout le monde. Mettez un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Et laissez des commentaires pour vous répondre. Hey, ciao tout le monde.